d'Afrique du Sud, et bien dont le chef de l'État n'est en fait pas le propriétaire, puisque une fois partis de l'Élysée, ils seront dispersés dans les musées nationaux. Joie de recevoir, mais aussi joie, plaisir d'offrir. Il existe à l'Élysée une cellule cadeau chargée de soumettre des propositions au président. C'est à toi que je pense, ta bouche roulante, ses homologues américains, plus de 90 000 dollars de cadeaux en 5 ans de mandat, joie de recevoir et plaisir d'offrir aux frais de l'État. Merci Michael Ponge pour cette revue de presse que vous pouvez bien sûr réécouter et relire sur notre site internet www.rfi.fr. Toute l'actualité à retrouver sur RFI.fr ou si votre connexion est lente sur m.rfi.fr. Il est 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Oui, ici à Paris, 7h30 en temps universel. Magali Lagrange. Et Catherine Zemmoury pour un nouveau point sur l'actualité africaine. Le recul de Boko Haram donne pour la première fois des détails sur l'opération qui a permis de reprendre le bastion djihadiste de la forêt de Sambisa. Une étape symbolique, mais la guerre contre Boko Haram n'est pas encore terminée. Le Maroc fait